Exercice de visualisation. Voici un autre bon exercice. Si possible, faites lire ce qui suit par quelqu'un ou enregistrez le texte et écoutez-le. Commencez par visualiser l'enfant que vous étiez à 5 ou 6 ans. Regardez ce petit enfant dans les yeux profondément. Remarquez l'attente, le désir qu'il trahisse et prenez conscience que la seule chose que cet enfant attende de vous est l'amour. Tendez alors les bras et serrez-le contre vous avec amour et tendresse. Dites-lui combien vous l'aimez et tenez à lui. Admirez-le et dites-lui qu'il est normal de commettre des erreurs en apprenant à vivre. Promettez-lui de ne jamais l'abandonner. Maintenant, réduisez la taille de cet enfant jusqu'à ce qu'il puisse entrer dans votre cœur et que vous voyez son regard chaque fois que vous baissez les yeux. Vous pourrez ainsi lui donner tout votre amour. Ensuite, visualisez votre mère quand elle était une petite fille de 4 ou 5 ans, craintive, demandant de l'amour, mais ne sachant où le trouver. Prenez-la dans vos bras, dites-lui combien vous l'aimez et tenez à elle. Dites-lui qu'elle pourra toujours compter sur vous. Dès qu'elle se sera apaisée, réduisez sa taille jusqu'à ce qu'elle puisse pénétrer dans votre cœur. Mettez-la à côté du petit enfant que vous étiez et laissez-les se donner de l'amour. Maintenant, imaginez le garçon qu'était votre père à l'âge de 3 ou 4 ans. Lui aussi effrayé et en quête d'amour. Il pleure et ne sait à qui s'adresser. Vous êtes à présent accoutumé à rassurer les petits-enfants affolés. Prenez-le dans vos bras et serrez son petit corps tremblant. Réconfortez-le. Communiquez-lui votre amour. Dites-lui qu'il pourra toujours compter sur vous. Une fois qu'il s'est apaisé, laissez-le devenir tout petit et mettez-le dans votre cœur. Ces trois enfants peuvent maintenant s'aimer et vous les aimez aussi. Votre cœur contient assez d'amour pour guérir la terre entière. Mais pour l'instant, utilisez cet amour pour votre guérison. Sentez la chaleur, la douceur et la bonté qui commencent à rayonner dans votre cœur. Faites que ce sentiment change votre manière de penser et de parler de vous-même.